L'ange numéro 26. Haïa. Il régit du 28 juillet au 1er août. Il est l'ange de la discrétion. Il nous aide à développer un leadership positif, dévoiler les informations avec diplomatie et savoir comment se comporter lors de situations ambiguës. Avec cet ange, nous pouvons développer les qualités suivantes. Discrétion. Capacité de bien structurer le pouvoir et l'abondance. Conseiller, guidé par la sagesse. Faculté de garder et gérer les secrets d'État, les dossiers confidentiels des gouvernements, l'accès aux informations et connaissances qui doivent rester occultées. Sens de l'organisation et de la famille. Contemplation des structures divines. Science politique harmonise la vie sociale. Cohabitation pacifique. Respect de l'ordre divin. Capacité de s'adapter à toutes les situations. Attitude scientifique et politique en accord avec la science divine. Leader politique et social. Catalyseur, administrateur, décideur, diplomate, ambassadeur, justicier. Permet de savoir comment se comporter lors de situations ambiguës. Cherche la vérité par le biais de la raison. Créateur d'ambiance positive, constructive, moteur de l'esprit d'équipe. Nous pouvons rectifier les distorsions humaines suivantes. Indiscrétion, égocentrisme, problèmes familiaux et ou sociaux. Difficulté en lien avec la politique, la prise de décision, l'administration, l'organisation. Motivé par l'ambition et la convoitise, jalousie, orgueil, vanité, passion. Fuit ses responsabilités, son plan de vie. Désir de pouvoir et de gloire terrestre. Abus d'autorité et de pouvoir. Esprit de compétition. Loi de la jungle. Désordre social, anarchie, conspiration, traîtrise. Impose son point de vue, n'écoute pas les autres. Complexe d'infériorité et de supériorité.
conséquences négatives d'actions désordonnées. Nous pouvons l'invoquer dans les situations suivantes: ambassadeur, indiscrétion, négociation, politique, renforcement des liens. Douce pensée angélique.